Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Dredge. On a décidé d'aller relever donc ce panier de crabes puisqu'il ne me manque plus qu'un crabe bleu. Un bleu, dabedi dabeda, dabedi dabeda. Et après on va faire la quête de la madame, de la chercheuse, qui consiste donc à lui ramener une liste de poissons abyssaux. Je me suis encore gouré d'île, je vais me vénère. Est-ce que je vais me vénère? Franchement, non, parce que heureusement j'ai le logo de mon panier de crabe. La dernière fois j'ai pas arrêté de partir à gauche alors qu'en fait c'était juste là. Bon, à droite de l'endroit que je ciblais initialement. C'est beau, hein. C'est beau d'être con. Il y a toujours rien. On repassera beaucoup plus tard. Voilà. Donc on va commencer la quête de la chercheuse qui veut donc des poissons. Oui, mais des panzani. Un requin fantôme? Oh. Parfois appelé chimère, ce fantôme des profondeurs n'a pas les dents des autres requins, mais trois plaques osseuses soudées à son crâne pour broyer sa nourriture. C'est cool, ça. Est-ce que par hasard t'es le fameux quinquin qu'il faut pour ajouter là-dedans? Parce que si tu me dis oui, hein, ça quel plaisir. Il se passe rien. Illusion d'optique. Le jeu qui essaye de nous dire des choses, mais c'est du vent. Beaucoup de promesses, très peu de concret. Je peux garder la place pour une pioche. Hein. Le revenant vortex, dans son œil, un motif défile en permanence. Des cyclones rouges se muent en spirales vertes étincelantes. Les abysses vous transpercent. Alors si le quinquin là-dedans il a pourri, je suis deg. Je suis deg parce que ça veut dire que la quête elle est mais infaisable quoi. Non, il a pas bougé. Je peux mettre ça là. Je sais pas si c'est le bon truc, hein. Quatre formes représentant d'énormes poissons. Ça, c'est un quinquin de cuivre. Ça, c'est quoi? C'est une pieuvre? Je sais pas, je mets quoi ici, en fait? Ah, toi, peut-être? Ah! Et là, deux quinquins de cul cuivre. Cuivre, cuivre. Cuivre, cuivre. Quatre formes de poissons. Ah, je sais pas. On n'est pas sûr, c'est un peu flou votre histoire là. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on va prendre ça. C'est toujours bien ce truc là. On en prend. J'en prends, je suis preneur. Ici on a quoi? Rien qui m'intéresse. Tu ne me vois pas. Je suis trop loin frère, je suis dans le futur. Ça, il m'en faut un. Ok. On va retourner tout gentiment à la station ici. On va relancer le machin. On va aller pêcher les deux autres au milieu. Hop. Allez. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Y a rien. Il y a R, ça suffit. Je sais pertinemment qu'il n'y a rien. Tu veux essayer de me créer de la parano, mais je sais très bien qu'il n'y a rien. Oh, du loot. Un sextant. Aucun rapport avec le porno, hein, pour les enfants, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y a peut-être des générations de gens qui regardent qui ne savent pas ce qu'est un sextant. Voilà, bon, normalement j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça j'ai pas besoin. Ah non, il faut une pieuvre aussi je crois. Oh, il m'a raté. Oh, je l'ai. Je les appède. Oh, les dérapés glissés que je fais. Les drifts en bateau. S'il vous plaît. Hein.
Ces spécimens que tu cherches, lui... Eh ben non, c'est bon, j'ai tout. Elle voulait pas de pieuvre. Bah parfait. Allez hop. Ramasse-moi ça là. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre la première? Vas-y, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les échantillons que tu as récupérés dans le bassin présentent un nombre dangereusement élevé de mutations cellulaires. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plus d'informations sur ce qui cause les anomalies dans l'écosystème. Tout ça signifie que la chose dans le bassin est dangereuse pour la vie au niveau cellulaire. Elle endommage tout autour d'elle, soit volontairement, soit intentionnellement. Je dois tout de suite rédiger un rapport sur mes découvertes. Pardon, nos découvertes. Je vais enfin pouvoir être prise au sérieux. Oh, où sont mes manières? Tu as fait tout ça pour moi et je n'ai pas grand chose à te donner pour te remercier. Tiens, prends ça. Elle ouvre un tiroir et en sort un livre qu'elle vous tend timidement. C'est quelque chose que j'ai écrit pendant mes études. Je pense que ça pourra t'être utile. Merci encore de ton aide, je te recommande d'éviter la zone, ça n'a pas l'air très sûr près du bassin. Non, t'es sûr? T'es sûr? Hop, la cabine. Un plan pour l'avenir. On verra bien. Dans ma cale, j'ai du bazar. Ouais, je vais aller les vendre. Et dans ma réserve, je vais poser le sextant. Bon, comme moi, hein. Vous avez vu? Il est bon. Oh ouais. Mais toi où tu veux, t'es trop gros. Ça veut dire qu'il va falloir se balader un peu dans les océans. Ouais, appuyer sur le bouton. Hop là. Faut se rebalader un petit peu dans les océans du milieu pour récupérer des requins là. Des quinquins de cuivre. Je pense deux et on est bon. Et j'espère que c'est vraiment... Alors, le problème c'est que normalement c'est quatre formes différentes. Je sais pas, on va voir. Ça vaut quand même 208 balles. Hein. Ah, le poisson avarié vaut encore cher. Hein. Allez, tout dégage. Qu'est-ce qu'on a? Tac, encyclopédie des poissons moches, la quête un crabe bleu. Chez les poissons rares, chercher des reliques. Oui, bien sûr, oui. Et monsieur, tout de suite les reliques, tout de suite. Mon panier à crabe. On va s'occuper de ça. Bon, faudrait que je tape un peu large, voir s'il n'y a pas genre des gros poissons, des gros quinqueux. Genre des quinqueux que j'ai jamais vu par exemple. Je sens qu'il y a quelque chose qui essaie de me presser. Oh, c'est ça. Ah, il est derrière. Bon. Crabe rouge. On passera plus de ça. Ou pas. Tu sais quoi? Je sais que l'autre là, on ramasse des pieuvres et des crabes bleus tout de suite. Donc hop, je me casse. On va lui chercher son crabe bleu. Parce que là, techniquement, une fois que j'ai son crabe bleu, j'ai plus besoin de revenir ici. Si je me casse tout court. Poisson, ça m'intéresse pas, je cherche du gros là. Là on cherche du gros. Pour ce temps plein caquin. Les deux sur le côté ils m'ont l'air identiques, hein. Ils m'ont l'air relativement très identiques. Oh, 4 000 $, j'allais dire, est-ce qu'on pêche? Non, on n'a plus besoin. On n'a plus du tout besoin.
Ah oui, ça on l'a déjà vu, le truc qui te donne des visions de peur et de cauchemar. Voilà, ça c'est jeté, hop, on se remet en turbo boost, on va voir par là s'il n'y a pas un gros machin pêché. Rien, niet nada, rien à se mettre sous la dent. On a le nombre de jours que j'ai passé dans cet enfer. 93e jour. Ouh, on te chance ça, non? J'espère. Boum, c'est bon, je l'ai. Allez. On se tire d'ici. Ça y est. Plus qu'à tracer. On est bon. J'étais même en train de réfléchir en me disant que ça serait pas mal à la limite que je fasse une téléportation à l'île de l'autre crétin là. Je pêche mes deux requins parce que je sais qu'il y a des requins qui traînent juste dans le coin. Et hop, je reviens directement ici. Avec mes deux requins à bord. Mais ça me paraît bizarre. Demande d'aller chercher des requins aussi loin. Ça me paraît loin. Moi je veux bien, mais ça me paraît un peu loin de dire. Je sens une ouverture. Elle déroule le dernier parchemin. Il s'agit d'un crabe bleu. Un bleu, dabadi dabada. Elle brise les pattes du crabe et se nourrit de leur chair. Les lèvres pleines de miettes de crabe, elle saisit un livre sous sa tunique et vous le tend. Réponse donnée, nous attendons invocation. La citoyenne croise les bras et semble plonger dans un sommeil profond. Je sens que je suis en train de leur filer un coup de main pour invoquer Dark Toulou. Ok, c'était bien. Hein. Ah, c'est littéralement pour prendre des photos du jeu. Ça n'a aucun intérêt. D'accord. J'ai jamais compris l'utilité de prendre des photos dans un jeu. Mais c'est parce que je suis un vieux con rétrograde, je pense. Je pense que c'est pour ça. Ah bah y en a deux. Parfait. Hop. Y a plus qu'un. Direction le sud. Le sud-ouest, on trace tout droit, on s'arrête pas, c'est par ici, c'est par Zola, c'est par ici. Allez, ah, il y en a encore un autre, allez, on fait le plein de requins. Oh, il est dégueulasse, requin sanglant. Des tendons parcourent les mâchoires de ce prédateur sanguinolent, les muscles de ses mâchoires sont apparentes. Oh, il est dégueulasse, il est magnifique. Dégueulasse, donc il est magnifique, hein, y a pas de... Tout est logique. Essayez de suivre un peu, hein. Je suis en train de me dire, on peut peut-être ranger mieux, mais... Voilà, hein, c'est... Les quinquins, ça a pas l'air d'être non plus le... La montagne de la coopération. On est déjà là, nous ? Oh, il est efficace, hein. Et le temple. Attends,
ça me paraît bizarre. Ah oui, on est déjà là. Oh, le fast, le speedrun. Du coup, c'est plus par de là. Je crois, hein, si je dis point de bêtises. Ouais, je le vois d'ici. Ah oui, mais non, on s'en fout. J'ai pêché un truc, mais non, en fait, on en a pas besoin. Là, on ne pêche plus que par objectif. C'est ça. Le quatrième n'est pas mon quinquin de cuivrasse. Voilà. C'est un autre quinquin. Ouais. C'est le dernier quinquin, je sais pas ce qu'il est. Ah, c'est en cours de rechargement. Ok, ok. Bon, bah, on va les vendre là-bas. Hein. Pas de raison. Oh merde. Oh oh. On va juste faire couler le temps. Et on va se téléporter. Et péter mon moteur. Je suis trop con. J'attends de voir aussi c'est quoi toute l'histoire avec les crabes géants, les machins là. Qu'il y a des trucs dans tous les sens en fait. Il se passe des choses. Des choses. Hop. Comme ça, je vais à ma réserve. Je récupère ça. Je fais d'une pierre deux coups. Hop là. Je vais voir le manoir en ruine. Vous entrez, alors le lien, succès déverrouillé, vous entrez, placez l'anneau incrusté d'un bijou sur une table devant le collectionneur, celui-ci écarquille les yeux. Nous faisons de fantastiques progrès, et je ne sais ce que vous vous dites, et je sais ce que vous vous dites. Un objet pareil rapporterait une fortune aux enchères, mais pour nous, sa valeur transcende son prix. Bref, vous méritez une récompense, une éternelle récompense. Il ouvre le livre pourpre dont la tranche craque nettement. Il choisit soigneusement une page et se met à lire à voix haute. Les mots semblent étouffés, comme s'il parlait à travers une brume épaisse. Vous entendez un grognement qui grésille à vos oreilles. Soudain, votre vision se brouille et vos oreilles se débouchent. Il ferme le livre. Nous devons continuer à chercher. J'ai réfléchi à un endroit qui pourrait être intéressant. J'imagine que toutes sortes de détritus ont été avalés par la boue limoneuse des canaux de la rive Rotorse. Ça vaut le coup d'aller vérifier. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer votre recherche. Autre chose ? Deux bisous. On va tester ton nouveau jouet. Ouh, levez l'encre. Qu'est-ce que c'est? Bannissement. Les mots qui bannissent peuvent éloigner le mal pour un temps. Ouah, attends, c'est pété ça. Je veux essayer. Bon, d'abord, on va se turbo-booster un peu. À fond les ballons. Est-ce que j'attire des saloperies? Est-ce que je peux te poète-poète, toi? Ah, il y a carrément une fossile qui est apparue. Trop drôle. Ah, excusez-moi, ça me gratouille le fond de la gorge, c'est terrible. Bon, personne n'a l'air de vouloir venir m'embrouiller. Je suis un peu triste. Éloigne-toi, force du mal. Ah, ça fait pas... Je sais pas s'il y a un rocher artificiel dans l'eau. Je sais pas regarder. Alors, ça se recharge tous les combien par contre? Ah ouais. C'est comme la téléportation, hein, ça met une plombe. C'est toujours ultra passionnant. Hein. Les petits déplacements là. De vieux parce que j'ai flingué mon moteur.
N'inquiétez pas, on va faire la recherche pour avoir le petit moteur en plus. Comme ça, on aura toujours un truc pour se déplacer. La gardienne d'une phare s'approche de vous sur le quai avec un air interrogateur. Tu as sûrement dû faire le tour des îles depuis le temps. As-tu trouvé ce que tu cherchais ? Presque. Elle change de posture et s'appuie sur son bateau de tout son poids. Comment tu peux avoir la certitude ? La dernière fois que tu croyais savoir, et regarde ce qui s'est passé. Elle se tourne vers vous, secoue la tête et marmonne, puis reprend la direction du phare. Ok. Bisous, bisous. Tu vaux combien à varier ? À varier, il vaut 175 boules, le machin. Zblu ! Il se pose là. Hein. Paf. Ça part là. On va se faire réparer un moteur tout de suite. Hein. Non. C'est pas celle-là. Boum. Parfait. Je vois pas trop. En fait, les améliorations de du bateau final, je les trouve un peu pourries parce que... Bah, on a presque envie de dire, mais rajoute-moi un emplacement de plus et je peux littéralement mettre canapèche et mon bloc du même côté. Ou fixer plusieurs canapèches. Là, en fait, c'est... Désolé de le dire, mais c'est nul. C'est un peu nul. Tu peux rajouter un petit filet avec, quoi. Et encore, c'est juste là. C'est même pas là. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, il faudrait même que j'inverse les deux. Ouais, ouais, ouais. Et quoi, 7h du matin, on va inverser les deux. Allez, hop. Ouais, dans la réserve, si tu veux. Ah, merde, y'a pas de place dans la réserve. Ah. Annulez tout. Annulez tout. Oh, vends-le. Ça m'a emmerdé. Mets-moi ça plutôt par là. Voilà. Reprends-moi mon vieux machin. Fixe-le ici. Va dans les cales à pêche. Un jour, 8 par jour, 10. Bon, on va prendre celui-là. Voilà. Voilà, ça c'est l'opti. Je peux pas faire mieux. C'est l'opti du jeu. Voilà. Ouais, attends. Il y a de la recherche à... Non, j'ai pas de recherche à claquer. Ouais, j'ai commencé par le filet. J'aurais peut-être pas dû, finalement. Bon, après, je connais une excellente zone de farming. je connais une excellente zone de farming. Très bien. Hop, 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 hop. On est en côte, on t'en profiter. On va aller ici. Avec un Z. Ça veut dire qu'en fait, le troisième requin, il faut aller le chercher dans dans une autre zone. Moi, j'essaie de penser en même temps. Et que il faut... alors, de ma réserve, je peux tout prendre. Allez, envoie. Envoyez, vite. Oh ouais. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il serait preneur de la carte? Je veux vérifier aussi. $1200. Vendez des babioles pour un total de $1500. Poule aux œufs d'or. Ça, tu prends pas? Ah, il prend pas le monsieur. Ah, je suis un peu déçu. C'est un peu décevant. Que cette grosse carte qui prend de la place sa mère, peut-être au moins pour le fun elle aurait intéressé quelqu'un. Mais non. Évidemment il est hors de question que je la jette. Oui alors est-ce qu'on peut supprimer tous les marqueurs parce que du coup il n'y a plus rien à... Oui supprime tous les marqueurs. Il veut qu'on aille à la rive Torse. Ok. Alors, on va y aller. Tranquillement. Et voir au passage s'il n'y a pas un gros poisson à ratisser là-dedans. Bah oui, c'est un bateau. Je récupère un petit poisson. T'es un classico, hein. Oui. Je prends les deux maintenant qu'on y est. Hein. Pour un marchand, on ne sait jamais. Ouais, il y a un petit bateau là. C'est un petit bateau. Je l'ai pas vu. Ça. Non, ça a été ajouté. C'est sûr, c'est sûr. Hop là, une babiole.
Allez, c'était sûr. Je commence à bien connaître le jeu. J'arrive même à pêcher, rendez-vous compte. J'ai un monocle. Oui, c'est un événement, on peut lui parler. Mais clairement, je vois rien. Faut l'aborder un peu plus par l'arrière. Boum. Ah, c'est bien, il y a des trucs. Bah, il y a d'autres trucs. Avec deux monocles, je peux peut-être faire une paire de lunettes. Vous vous arrêtez près d'un bateau amarré. Il semble y avoir quelqu'un à bord, mais personne ne vient vous saluer. Appelez, coucou! Presque immédiatement, une petite fente s'ouvre dans la porte et deux yeux affolés vous observent. Qui va là? Un pêcheur. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je voulais juste voir si vous alliez bien. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Non, ça ne va pas du tout. Je suis censé livrer ce collier à la petite moelle, mais on me traque. Un énorme léviathan est tapi dans les eaux profondes. Je l'ai vu, il attendait dans l'eau, la bouche grande ouverte, juste sous le bateau. Il aurait avalé le bateau tout entier si j'avais pas foncé vers les hauts fonds. Pas question que j'aille plus loin dans cette maudite chaîne d'îles. Bah, je pourrais livrer le collier à la petite moelle à votre place. Vraiment, je pense que c'est faisable. Voilà, regarde. Paf, regarde, tu vois, je prends ça. Le coursier pousse un colis marron irrégulier par l'ouverture dans la porte. Vous entendez un bruit de liquide en le saisissant, un fluide noir goutte de l'un des coins. Mettez des sacs plastiques, les gars. Merci bien. C'est destiné au docker de la petite moelle. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que ça va paraître dingue, mais parfois j'ai l'impression d'entendre des murmures qui s'en échappent. Je ne suis pas censé transporter des êtres vivants. J'ai pas le matériel pour ça. Alors quoi que ce soit ce truc, faites gaffe. Prenez ça aussi. Encore une fois, un objet sort du trou dans la porte. Cette fois, c'est un livre qui retombe sur le quai. Vous le ramassez. Je me mettrai en route quand la voie sera libre. Bon voyage. Oh bah ouais, cool. Bah, easy. Allez, et regarde. Hop, même la flemme est. Pof. Pour ma flemme. Hop, je tourne un peu. Paf, on utilise le pouvoir obscur. Obscur, le pouvoir, comment est mon pouvoir? Il est obscur. Obscur. Prenons des requins, des tas de requins. Hop, on va même passer par là d'abord. Pour vendre mes requins tant qu'ils sont frais. Frais mes requins. Ouh. Voilà. Vous avez mis hyper vitesse. En plus, ça tombe bien, j'ai quelques babiolinettes à vendre. Moi, s'ils me donnent un point de recherche, je suis content. Boum, mise à quai. Bah non, mais j'ai rien dans ma réserve. Hop, le négociant. Bienvenue, tu as trouvé quelque chose de spécial. Tout. Et la petite moelle. Bah si, c'était... C'est destiné à toi. Comment ça va? J'ai un colis pour toi, ma gueule. Une livraison? C'est un bon gros colis, voyons voir ça. Il saisit le colis, le tape délicatement, puis il le porte à son oreille et écoute quelques instants. Il semble satisfait. Merci beaucoup, l'ami. Bon, je vais devoir te laisser. Souhaite-moi bonne chance. Il fait demi-tour et part en courant sur le quai sans dire un mot ni pourboire. Oh bah, dis donc, eh. Oh non, quand même, un petit pourboire. Eh, un petit canon, au moins. Pêche avancée et triompher grâce au corps et à l'esprit. Ouh, deux trucs très obscurs. Ah oui, il faudrait que je pêche aussi juste pour ça. Je vais pêcher juste pour ça. Juste pour couler le temps. Permettre au temps de s'écouler. Voilà, tu vois, je... Comme ça, c'est un peu trop rapide à pêcher, je crois. Ouh, bah tu me diras, ça fait couler le temps quand même. Voilà. C'est du calmar. J'ai même pas vu mes spotlights. Ouh, get spotlighted. J'ai envie d'aller voir la ville fantôme. Je vous assure, j'ai envie. Hein. J'ai envie d'aller voir la ville fantôme. Viens, dis, on va voir la ville fantôme. Vas-y, on va voir la ville fantôme, c'est trop drôle. Je prends. Hein. Parce qu'elle m'a l'air un peu persistante, cette ville fantôme, et je veux voir si elle existe vraiment ou pas. Ou quel genre de monstre c'est. Wow.
Wow. Oh, y a des petits pranks là. Mets-toi par là. Voilà, terminé. Allez. Non, je suis pas sûr de mon truc. D'ailleurs, c'est quoi, il faudrait plutôt ça. C'était un prank! Oh, ce sont des prankistes! Attends, vas-y, je vais quand même le... Je te taquine un peu quand même. Attends, fais voir. Oh, tu fais mal. Allez, ils existent quand même, les... Aïe, c'est encore endommagé. Aïe, comme... Oh, Seek and Destroy! Oh, destruction! Ah, j'ai tout pété! Bon. C'est pas un monstre, c'est vraiment juste un mirage qui s'est installé là. Ok. Bon, on aura tout. J'ai vraiment tout bousillé. Non, toujours pas, pas qu'elle sèche. Charpentrier, 115 boules. Ouais, c'est bon les armes, on est large. On va se déplacer. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas voir ce style-là? Mais dans un prochain épisode. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming et je vous dis à la prochaine. Ciao.